faut que je me dépêche. Hugo ! Qu'est-ce qui se passe ? Hugo ! Parle-moi ! Allez ! Allez ! Lumière ! Là-haut ! Hugo ! Ça va ? Il y avait des rats ! J'ai été vers la lumière ! Ils t'ont mordu ? Non ! J'ai trouvé une échelle, mais il y a des rats ! Je vais t'ouvrir le passage ! On va te descendre de là ! Calme-toi, Alicia. Hugo va bien. Tu vas bien. Reste. Tes brindilles brûlent trop vite. Je pourrais pas les repousser assez longtemps. Attends, j'ai quelque chose pour toi. Parfait. Merci. Désolée, j'aurais pas dû te laisser tout seul. C'était trop risqué. C'est pas grave. D'ici. Oui, loin d'ici. Pas mal. Pas mal du tout. Je vais t'aider. D'accord. Oh, c'est quoi cette chose par terre? T'es sûre qu'on doit passer par là? Oui. On est arrivé jusqu'ici, on va s'en sortir. Reste bien près de moi. Mais c'est quoi sur les murs? Je sais pas. C'est eux qui ont fait ça. Tu crois? Oui, on est dans leur nid. Ils vont être encore plus en colère alors? Amicia, il faut pas toucher les murs. Les vapeurs, ça brûle la gorge. Là-bas, de la lumière. On y est. On y est, Hugo. Bon. On a réussi. Amicia, je veux voir maman. Je veux pas qu'elle soit morte. Hugo. Je veux qu'elle revienne. Amicia, on n'ira plus jamais à la maison, alors? Non. C'est trop dangereux. Il y a des rats aussi, là-bas? Peut-être. Je sais pas, Hugo. J'ai peur qu'ils nous trouvent quand il va faire nuit. On sera à l'abri chez Laurentius. Allez, viens. Là-haut, un moulin. C'est la ferme de Laurentius? J'espère. J'ai jamais vu un vrai moulin. Si on reste prudent, tu en verras un très bientôt. Amicia, regarde! C'est un de ceux qui ont attaqué la maison. L'Inquisition. Ils sont là.
Comment ils font ça? C'est des animaux, bordel! Qu'est-ce que j'en sais, moi? J'ai l'air d'un rat, peut-être? Tout ce que je dis, c'est qu'on se débarrassera pas de ces nids avec de la chaux. L'important, c'est qu'on soit parti quand le soleil sera couché. La nuit, c'est leur territoire. Allez, j'y retourne. J'ai entendu quelque chose par là. Rien. Amicia, regarde! Il y a un pont qui va vers la ferme. Amicia, ça je n'ai pas le choix. Ce bruit, c'était quoi? Ça fera l'affaire. Avec le deuxième barrage, plus personne ne passera. Je vais sur le pont. Charlie va revenir avec les autres arrières. On est piégés. Il y a un trou. C'était quoi ce bruit? Allez, j'y vais. Bon, c'est ça. À moi maintenant. C'est la deuxième fois. Je dois voir ça. Bravo, il faut qu'on parte, Amicia. Toujours rien. Je me ferai pas encore avoir. Quoi, ce boucan? Oh non, ils ont fermé l'accès à la ferme. Dites au seigneur Nicolas que la route est fermée. Toute personne ou véhicule qui passerait par ici doit être arrêtée et fouillée. On cherche qui, exactement? Un gamin de 5 ans, Hugo de Rune. Cheveux marrons, les yeux bleus. Est-ce qu'il parle de moi? Mais pourquoi? Chut! Ah, c'est pas le genre du capitaine de la garde pourpre de les prendre vivants. C'est impératif. Attention, il y a un garde. Oui. Lui-même. Alors, ouvrez l'œil. Mais d'où ce bruit? De là-bas? Vas-y, lentement, d'accord, pas de bruit. Non, rien. Y'a rien du tout. Pas mal. Pas mal du tout. Amicia, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ils me cherchent? Tu n'as rien fait. Ce sont eux, les coupables. S'ils nous attrapent, est-ce qu'ils vont nous faire mal? Ils ne vont pas nous attraper, d'accord? D'accord. Hugo? Hugo! Tu es où? Hugo, ça me fait pas rire! Bou! Hugo! T'as eu peur? L'Inquisition est ici, Hugo. Tu veux qu'il t'emmène? Ne refais plus jamais ça, tu as compris? Bon, d'accord. Ils sont là. Entre nous, le grand inquisiteur. Il va vraiment nous sauver de la mort sûre, tu crois? C'est un saint. Il nous sauvera. Mais il a besoin du seigneur Nicolas. Et de nous aussi. On a tous un rôle à jouer. J'ai entendu un bruit. Fais voir, prends garde à toi. Oh, ils sont nombreux.
L'endroit est calme. Évidemment. Hé, hey, j'ai vu l'un des nôtres tout à l'heure sur un chemin. Il était mort. On l'enterre pas. Il a été mordu ? Ouais. Et c'est quoi ce vacarme ? C'était quoi ce bruit ? Ils attendent quoi pour sonner le retour au camp ? Il fait presque nuit, bordel. Rien à signaler. Ce bruit, ça venait de là-bas, je crois. Y'a rien. Faut que je me calme. Il y a eu un bruit. Je suis pas dingue. Non, rien. Ils peuvent plus nous voir, hein? Non, c'est bon. S'arrêter. Pas ici. Je me sens bizarre. Allez. Tu te reposeras quand on arrivera chez Laurentius. Ma tête. Ça fait mal. Je sais pas ce qu'il faut faire, Hugo. Elle faisait quoi, maman ? Elle me tenait un remède. Je vais te porter. Je peux pas faire mieux. Allez, grimpe. Maman veut pas que je sorte de la maison. Je sais. Ça doit être pour ça que je me sens bizarre. Tu es fatiguée, c'est tout. Elle me manque. Et toi, au moins, tu avais le droit de la voir. Hein ? Non, rien. C'est le moulin. On y est presque. Dis, Laurentius, il va m'enfermer encore ? Il va te mettre à l'abri. D'accord. C'est vrai que c'est dangereux dehors. Mais des fois, c'est bien aussi. Tu iras mieux un jour. C'est des animaux morts ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? On va devoir être très prudent. Il vaut mieux que tu descendes, Hugo. Ah, ça rentre dans mes chaussures. Oh. Oh, c'est pas vrai. Ah, ils sont non. Ici. Il y en a ici. Non, non, non. La torche. Vers la torche. Calme-toi. C'est bon. Ils peuvent pas nous atteindre. Allez, on continue. Oh, non. C'est la nuit qui les fait sortir. Ah, il nous faut du feu. On doit sortir de là. Il y a du feu en haut. On y va. Attends. Allez. Ils sont tout prêts. Allez. Allez. Plus vite. Viens, je vais te faire monter. Oui. C'était juste. Oh, cette boue. Oh, mon Dieu. Ils sont vraiment... tous morts. Ils ont été massacrés. Sans doute par l'Inquisition. J'ai envie de vomir.
Allons-y. Oui. Allez, encore une fois. On va pousser ça. D'accord. Amicia, pourquoi ils ont tué les cochons? Peut-être pour contenir les rats ici. C'est très, très lourd. Je ne parle pas. Pousse. Pardon. Hugo, tu vas rentrer et m'ouvrir la porte le plus vite possible. Sois très prudent, d'accord? Oui. C'est bien. Ah, ça sent bizarre. De l'alcool pur, ça vient des alambics. Il y a quelqu'un. Allons voir. Ce dessin, ça représente quoi? En tout cas, c'est joli. Qui êtes-vous? Maître Laurentius? N'approchez pas, il est contagieux. Hugo, c'est toi. L'Inquisition est venue. Nous avons tout perdu. Je n'ai rien pu faire. J'ai... Je comprends. Ils sont venus le chercher. Il y a un mal. Un mal ancien. Dans le sang de ta famille. Dans ton sang. Ta mère et moi avons essayé de freiner sa progression. Mais depuis la brisure, le processus accélère. Tu dois le protéger, Amicia. Tu dois poursuivre les travaux de ta mère. Moi ? Mais comment ? Mes parents ont essayé et maintenant ils sont morts. Laisse-moi ! Ils sont ici. Les rats sont dangereux, mais désorganisés. Au contraire de l'Inquisition. Ils veulent le petit. Ils n'auront de cesse de le traquer. Nous devons disparaître. Il faut aller... aller au château d'Ombrage. Lucas, cours à la grange. Tu dois finir l'ennifer. Ne parlez plus. Je serai digne de vous. Je suis désolée pour vos parents. Mais vous n'êtes plus seul maintenant. On doit faire vite. Tu vas m'aider à préparer l'ignifer. Ça nous protégera des rats. Viens, Hugo. Je veux pas que tu restes là. Le matériel est dans la grange. Venez avec moi. Les rats sont entrés. Je vais trouver un moyen de les ôter. Les jambons. Bonne idée. Voilà. Désolée. C'est pas grave. Et voilà. Hugo, donne-moi la main. Non. Je vois. Alors ne t'éloigne pas.
Ça va, vous deux? Ça a été un long trajet. Ces sacs ont l'air très lourds. Des céréales avariées. Ça doit être pour le cochon. Oh non, ils sont revenus. Ils sont partout. Il faut qu'on aille au fond de la grange. On peut pas partir sans l'inifère. Oh, comment on va faire? Il nous faudrait de la viande. Morte ou vive. On va se servir de ça. J'ai compris. Laisse-moi t'aider. On va lui donner à manger? On peut dire ça. À table, petit cochon. C'est bon. Mâche bien, petit cochon, ou tu auras mal au ventre. Il faut être sûr qu'il reste. Je vais fermer. Il y a une échelle sur le côté. Venez. Allons-y. Hugo? Hugo, écoute. Boude si tu veux, mais ne t'éloigne pas. Monte. Les lumières. Oui. Hugo, ne regarde pas, s'il te plaît. Pourquoi? Non, Amicia, qu'est-ce que tu fais? Je suis désolée, Hugo. Mais arrête, il est vivant. On n'a pas le choix, Hugo. Il faut éloigner les rats. C'est horrible. En fait, c'est comme les autres. Hugo, on n'avait pas le choix. Venez, par ici. D'accord. Venez, par ici. Le pauvre. Attention où vous marchez. Ça, c'est pas du simple matériel de docteur. Mon maître est aussi et avant tout un grand alchimiste. Tu t'appelles Amicia, c'est ça? Moi, c'est Lucas. On va préparer l'inifère. Regarde si tu trouves de l'alcool et du soufre. Il doit y en avoir ici. Dis-moi quand c'est bon. D'accord. Alcool et soufre. Alcool, soufre, ce four. Ça doit être ça qu'ils appellent un athanor. Tu fais quoi? Un assemblage alchimique. Léviter, extractam sic. C'est du latin. C'est bon, juste Lucas. De l'al... Bien. Maintenant, tu vas les mélanger. Fais-le doucement, c'est sans danger. D'accord. Voilà, c'est... Oh, les rats! Oh non! Non! On est coincé! Non. L'inifère, Amicia. C'est le moment. Vise les braises au centre de la pièce. D'accord. Oh, oh, ça fait du feu! C'est moi qui ai fait ça? J'ai vraiment fait de l'alchimie? Oui. Ton mélange était parfait. On dirait que tu as hérité de ta mère. Tu sais quoi? Je pourrais te montrer comment créer d'autres projectiles. Ça nous serait utile. Volontiers. Merci. J'ai fini mes mélanges. On doit retourner voir Laurentius. Amicia, tu devrais passer devant. Des rats! Reculez! L'univers, lance-le sur les braises. Faut que ça ne m'explose pas au visage. Passe devant. Oh, il y en a beaucoup. Laurentius, je vais dégager un chemin. Je passe devant. Pas de problème. Allez. Laisse-moi.
Hugo, écoute, pour tout à l'heure, je voulais te dire, je suis vraiment... Oh non ! Micha ! Clara ! Il y a plus de lumière dans la maison. Oh non ! Hé ! Lucas, attends ! Les allons. Attention ! C'est quelque chose ! On doit partir, maintenant ! Maître... Hé, arrête. On a besoin de toi. Regardez, le cheval. C'est le moment. Hugo, Lucas. Courez, on a besoin de ce cheval. Ils sont partout. Lucas, je suis là. Il va où, ce chemin? Lucas, on va où comme ça? Vers la rivière. Lucas ? Oui ? C'est quoi cette chose ? Dans son sang ? Il y a une vieille histoire. Elle parle de la prima macula. Les alchimistes appellent ça la première corruption. Et elle voyage en silence dans le sang de certaines familles. Mais quelque chose s'est produit. La brisure. Et la macula s'est réveillée. Dans le sang d'Hugo. Mais... qu'est-ce que ça va lui faire ? La macula ignore le bien et le mal. Elle évolue avec son porteur. Pour changer les choses. Le monde. Tu sais, ta mère et Laurentius essayaient d'aider ton frère. Mais ils ont échoué. Non. Je pense qu'ils ont juste manqué de temps. C'est ici. Hugo, réveille-toi. Allez, Hugo, on va marcher. Ça va te réchauffer. En suivant la Duc, on devrait arriver au château d'Ombrage avant la nuit. C'est quoi ce bruit ? C'est rien. C'est juste des grenouilles, Hugo. Des grenouilles ? Il a l'air d'aller bien. Oui, croisons les doigts. Des grenouilles, il y en a partout. Regardez, il y en a plein. Ça va, t'as pas froid ? Un peu, si. Hop, hop, ça a pas l'air de gêner Hugo. Au moins, il se réchauffe. Hé, revenez. Oui, mais... là, il s'éloigne trop. Hop, hop, hop. Hugo ? Où est-ce que tu vas ? Hugo !
Je suis un chevalier. Un bouclier anglais? Où as-tu trouvé ça? Là-bas, c'était par terre. Repose ça. C'est pas pour les enfants. Non, t'es pas drôle. Allez, avance. Tu sens cette odeur? Oh, oui, ça sent mauvais. Ouais, c'est horrible. Il faut qu'on suive l'aqueduc. Oh, c'est pas vrai. Amicia, on va leur marcher dessus? Je sais, Hugo, mais on n'a pas le choix. On leur fait mal, tu crois? Avance, Hugo. Avance. Regarde pas. Concentre-toi sur l'aqueduc. Oh, qu'est-ce qu'il a, ce cheval? Lucas? Oh non! Les rats! Vous approchez pas! Il y en a partout! Amicia, partout, partout! Mais c'est pas vrai! Pas des soldats. On fout le camp. Ils faisaient quoi? Ce sont des pillards. Ils cherchaient des choses à voler. Mais pourquoi? Pour survivre, sans doute. Comme nous. Tu m'aiderais avec ça? Pas de problème. Je pensais pas que ce serait si dur. Hugo, il va falloir que tu traverses. Oui, oui. Oh, fais attention. C'est bon, j'ai réussi. Viens, reviens, allez. Voilà. Viens, je vais t'aider. Mes bras, ils sont tétanisés. Vite! Il faut pas qu'il nous voit. Amicia, sa lanterne. Oui, j'ai compris. Il arrive! Oh mon Dieu, c'est horrible. Mais ça a marché. Vas-y, monte. Bien. Par où on va passer? Ils sont partout.
vous aide. Attention, ne te brûle pas. On fait trop de bruit. Ils vont nous repérer. Aide-moi à pousser. J'arrive. Oui, par là, non ? Des gamins. Bien. Aide-moi à pousser. J'arrive. Les roues sont embourbées. On va continuer sans. Venez. Ah, mais qu'est-ce que tu fous? Mais tiens-le mieux que ça. C'est dégueulasse, ton truc. Ah, oh, ça va, je veux juste ses dents. Il faut qu'on continue à suivre l'acte du policier. Il y a des rats partout. Chut, on va trouver une solution. Ouais, t'as raison. Là-bas, une torche. Si j'y vais seule, j'ai une chance. Ah, chier, j'y arrive pas. Tu veux pas que j'essaye? Ah, bon, c'est pas vrai. J'en peux plus de ces rongeurs. Et vous avez rien eu à foutre que vous acharnez sur un cadavre? C'est qui manque. Ah, bah voilà. Enfin. Tout ça pour ça. Et alors, tu vas en faire quoi? Je sais pas, je verrai bien. Pas l'alerte, promis. Moi, donner l'alerte? Ah non, non, non. Je serais pendu s'ils savaient que je vous ai laissé passer. Allez-y, moi j'ai rien vu. Bien. Oh non! La torche! On fera sans, Amicia. Sauver la vie. Une autre machine. Elle a l'air un peu différente. Est-ce qu'on peut la bouger? Je vais essayer. Attention!
peux t'en charger. J'ai besoin que tu le fasses. D'accord. J'avais réussi. C'est Hugo qui a fait le plus dur. Moi, je veux juste qu'on parte d'ici. Moi aussi. Allez, on n'est pas encore au bout. Oh. Oh. On va devoir passer en dessous. On va devoir être prudent. Pas mal du tout. Tenez-vous prêts. On va devoir rester dans la lumière. Allez, allez! On le retient pas? Non, cours! Je suis pas sûre, là. Pour l'instant, ça marche. Bon, eh bien, ça a marché. C'est des gens qui brûlent. Ne regarde pas, Hugo. Je vais t'aider à monter. Je peux pas. Amicia, je me sens bizarre. Qu'est-ce que tu as? Ma tête. La macula. On doit sortir de là. Hugo? Hugo, pense aux grenouilles. Tu te souviens comme elles sautaient? Tu courais après. Allez, viens, on va en chercher d'autres. Oui, on doit s'en aller d'ici, Amicia. Oui, on va s'en aller, on va quitter cet endroit, hein. Ils sont vraiment nombreux. Les gars. Oui, mais on n'a pas le choix. Je sais que vous êtes fatigués. Je sais qu'on n'est pas assez nombreux. Et je sais aussi qu'on aimerait être loin de ces putains de rats. Mais ce sont nos morts. Ça aurait pu être vous. Et vous auriez voulu qu'on vous offre une sépulture décente. Ils sont morts pour l'Angleterre. Allez! C'était quoi ce bruit? Amicia. Fatiguée. Regarde, on voit des arbres à nouveau. Je pense qu'on arrive au bout. Enfin. Sortez d'où? Vous êtes seul? Attention. Réponds, salopard. Hé hey! Et eux, alors? Tu leur dis rien à eux? Quoi? Hé hey! Maintenant! Oh! Santa, il y a du gravier, je parie. Fichons le camp d'ici.
On les suit. Là-bas, ils s'enfuient. Hugo!